Au fond, au fond, au fond,
Eccolo. La chute de la dictature
et la victoire du peuple inutile. Vous savez que Moussa est un militaire et il vient d'être remplacé par des militaires. Mes sentiments, c'est que Moussa ne peut pas être remplacé par des militaires. Moussa devra être remplacé par la mise en place d'une république démocratique. Une république démocratique signifie quoi? Une constitution démocratique qui garantit les droits des libertés des citoyens, qui garantit les libertés individuelles et collectives par la mise en place d'institutions démocratiques. Et une république démocratique, c'est quoi? C'est qu'on met en place un système électoral correct qui garantisse les droits individuels et qui permette des élections libres, libres et véritablement démocratiques. Le peuple choisit ses véritables représentants, ceux qui ont la légitimité. Comment voyez-vous désormais l'avenir du peuple malien? Je crois qu'un grand pas a été fait par la chute de la dictature. C'est pour moi. On ne peut pas le nier. Et je pense que désormais, il est difficile que notre peuple recule, notre peuple fasse un peu de sacrifice. Sans sacrifice, un millier de blessés, c'est trop. Cela ne peut être fait. On ne peut plus aller à l'autre. Je vous remercie. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Mahamadou Sangaré. Je suis le secrétaire général de l'école des hautes études pratiques. Et quels sont vos sentiments sur cet événement? Nous pensons que l'AIM a donné quand même l'occasion à tout le peuple malien de profiter. Et l'AIM est une association démocratique. Et nous pensons que l'avenir de ce pays serait désormais discuté valablement par ses vrais représentants. Par les élus du peuple. C'est ça. Comment voyez-vous le rôle joué par les élus? Effectivement, nous avons travaillé ensemble. Parce que, comme on a dit, l'union fait la force. Bien, c'est certes, l'AIM aurait donné quand même l'occasion. Mais nous pensons que le combat, quand même, est préparé. C'est-à-dire, ensemble, toutes les associations qui se sont donné la main. Et nous pensons que. C'est la victoire, en tout cas, à toutes les associations. Bien vrai que l'AIM, quand même, a donné l'occasion. Et nous pensons que la victoire est au peuple. Et nous ne voulons plus le régime militaire. Nous condamnons le régime militaire. Nous voulons que l'avenir de ce peuple soit discuté par ses vrais représentants. Par ses vrais représentants. Quand est-ce que l'AIM reprendra le chemin de l'école? Bon, ça, c'est... Nous avons laissé le soin alors, au bureau de coordination. Voilà, parce qu'en tant que secrétaire général de l'HEP, d'un seul comité, je ne peux pas quand même décider. Ça serait une décision unilatérale et le soin est donné quand même au bureau de coordination. C'est le bureau de coordination qui va quand même décider. Alors, nous sommes obligés de nous aligner. Vous êtes jeune diplômé et nous assistons maintenant à un événement historique.